Alors sur Basse-Terre, il y a les cascades à voir, c'est sympa. Au départ, ça descend, c'est pas marrant, mais après, ben, il faut bien remonter. Et là, je pense que ça va faire mal aux mollets aussi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire l'idiot sur internet hein, et se montrer? Parce que tout ce qui est descendu, ben faut le remonter au bout d'un moment. Et alors, en descendant, les gens ils nous ont dit, vous allez voir, la remontée, c'est plus facile. Je trouve pas. Je trouve pas, non. Mais enfin bon. Oh putain, c'est plus de mon âge. Faut que j'arrête les conneries. Hein? Ouais, faut que j'arrête les conneries. Allez. On continue. C'est la fête. Ouais, c'est sympa quand même, hein. Ouais, c'est sympa quand même, hein. On se croirait vraiment dans la forêt équatoriale. Et moi, enfin connaisseur que je suis, je dis putain, ici ils ont des sacrés champs de maïs. J'avais quand même oublié que c'était des producteurs de rhum et de canne à sucre. Donc, à mon avis, ça doit être plutôt de la canne à sucre plutôt que du maïs. Ça, c'est pas de la vinasse à mettre entre toutes les mains. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer la journée à Basse-Terre. Alors Basse-Terre, c'est la plus grosse partie de l'île. Et là, je suis sur la commune des Trois-Rivières, qui est tout à fait à la pointe sud de ce morceau d'île. Donc c'est vraiment le bout du bout. Et c'est. Coloré, c'est exotique, c'est super mignon. La mairie de Basse-Terre. Bon, franchement, Basse-Terre, j'ai été déçu, hein. Je suis pas resté longtemps, je m'en vais. Après, je vous déconseille pas d'y aller, hein, faut le faire, mais franchement, c'est pas le même charme que les autres villes et les autres villages. Je me suis arrêté. Un petit village qui s'appelle Vieux Habitants. Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus typique que Basse-Terre. Ben Marguerite, qu'est-ce que tu fais là?
palme, un tuba, un masque, et je suis allé plonger. Et là, je les ai vus, les tortues. Et là, franchement, ça vaut le déplacement. C'est pour ça que je tenais à vous montrer des ais, parce que quand vous regardez la carte de la Guadeloupe, qui ressemble un peu à un papillon, vous avez la partie sud qui trempe dans l'Atlantique Nord, et la partie haute, la partie nord, qui trempe dans la mer des Caraïbes. Et voilà. Des ais, ça ressemble à ça. C'est pas mal. C'est la fin de la journée, il est 18h, le soleil va se coucher, et puis là vous assistez au coucher de soleil sur la mer des Caraïbes. Là je me suis fait un pote là, tous les matins, il vient déjeuner avec moi. Hé hey, Raoul, Raoul le raccoon. Hein? Hein, mon pote, regarde. Ah oui, on dirait un petit chat. Hop, ah oui, tu veux un petit bout de pain. Hop, voilà. Doucement, doucement. Thank you.